Depuis le début ou... Ouais, il y avait une petite hésitation aussi au début. Ouais, d'accord. Si t'en es aux petites hésitations, tu vas me tuer. L'industrie 4.0, c'est le mouvement qui va vers le smart manufacturing, la fabrication intelligente. Depuis des décennies, on a entrepris l'automatisation des usines, ce qui a généré un grand nombre d'échanges de données. Sur la base de cet échange de données, nous avons trois tendances technologiques qui se greffent, le cloud computing, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Et la conjugaison de ces trois technologies permet d'aller vers une fabrication intelligente qui s'adapte aux besoins des clients et à l'environnement. Nous avons mis en place depuis quelques années un plan de transformation de nos usines qui s'appuie sur les données. Cela nous permet de créer des centres de contrôle qui pilotent nos usines à distance. Cela nous permet d'être réactifs pour répondre aux besoins de nos clients, mais nous avons aussi mis en place un plan de maintenance prédictive qui nous permet d'être proactifs. Par exemple, nous pouvons planifier de manière collaborative et anticipée les phases de maintenance pour éviter les pertes d'interruption. Alors, chez Air Liquide, nous plaçons l'humain avant la technologie. Notre démarche vise à partir du besoin des utilisateurs et des usages. Cela nous permet d'avoir une expérience utilisateur simplifiée et fluide. Cela donne des opportunités de croissance et des efficacités pour le groupe.